Putain, il a sorti de gun, là. Je ne comprends pas ces jeunes qui ne savent pas contre qui ils se battent, pourquoi ils se battent. Qu'ils se battent, je veux bien, mais qu'ils comprennent le sens de ce qu'ils font. Quoi. Madame, là, c'est votre voiture. Oui, et c'est pas gentil. Comme elle fait de conne, hein. Je suis désolé, c'est trop désarmant. Messieurs, dames, le 1er mai 2004 naissait à la Croix-Rousse l'idée d'un ministère des rapports humains. Une institution libre, indépendante, qui se voudrait alternative au repli sur soi et à l'abrutissement télévisuel. Si le crieur public, ici, à la Croix-Rousse, il a eu pendant 7 ans cette énergie pour raconter un peu la vie du quartier, c'est parce que, avec des amis, il a bien eu la bonne idée, il a eu la bonne idée de créer ce ministère des rapports humains. C'est le seul au monde. Ça ne compte pas grand-chose pour les gens qui habitent Rome ou Shanghai. Mais c'est extraordinaire de voir la participation des gens le dimanche. C'est extraordinaire de sentir que il y a cette sensibilité envers la société, envers ce qui se passe autour de nous. Les banques, on a fait faillite, on s'est planté, oh pardon, on ne savait pas que les hedge funds c'était pourri. Les États leur prêtent de la thune. 2 ans plus tard, les banques, elles reviennent à l'attaque, elles font chuter les États avec la thune qu'on leur a prêtée. Ouais. C'est notre thune, c'est le bien général, l'intérêt général, le service public. Ça ne vous met pas en colère, ça? Non. Bien. C'est simple. Il est dit, tu ne tueras point, mais il n'est pas dit, tu n'auras point envie de tuer. À combien il serait le salaire maximum décent? Qu'est-ce qu'on en ferait, ceux qui dépasseraient? À ceux qui cassent, on voit à la retraite et nos acquis sociaux, la rue répond. Résistance! Résistance! Nous sommes 45 000 aujourd'hui. À ceux qui veulent précariser les jeunes répondent. Résistance. Les jeunes répondent. Résistance. À ceux qui veulent casser nos retraites. Les jeunes répondent. Très bien, donc, votre envie de tuer, ne le faites pas, enfin ne le faites pas, hein, ne vous jetez pas sur une grosse berline au feu rouge pour dire ça, Andrich, tu pourrais payer tout un pays africain pendant un mois. Ne le faites pas. Non. Attendez, faut qu'on s'organise avant qu'on le fasse tous ensemble, peut-être. Ne tout seul, vous allez au casse-pipe, c'est pas bon. Ici, à la Croix-Rousse,
grâce à l'histoire de ce quartier, grâce à l'histoire de ces nouveaux Croix-Russiens, comme les ont appelés les sociologues au début des années 70, quand des jeunes gens sont venus occuper les espaces vides laissés par ce quartier, qu'il avait perdu beaucoup de sa population. Grâce à ces nouveaux Croix-Russiens, grâce à la caractéristique du quartier, les initiatives alternatives elles sont toujours aussi nombreuses. Soit c'est de la résignation, soit c'est peut-être encore un espoir que certains ont. Effectivement, le côté révolte, c'est devenu minoritaire. Il n'y a plus la fougue comme à l'époque du Solidarnosc, à l'époque des 68ards. Peut-être que notre génération n'a pas réussi vraiment à reprendre le relais. Mais c'est vrai que si on parle de révolte, de révolution à la Croix-Rousse, il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à comprendre pourquoi, enfin, qui ne connaîtraient pas forcément l'histoire et qui ne connaîtraient pas forcément l'atmosphère qui règne là-bas. C'est devenu des petits groupuscules qui essayent encore d'avancer, d'agir. Même moi, comme ça, en y pensant, je ne dirais pas forcément qu'il y a ce côté révolutionnaire dans ces quartiers-là. Parce que je le ressens pas, pas plus que ça. On a l'impression, et certaines personnes ont l'impression, que c'est moins révolutionnaire, et je ne sais pas pourquoi, parce que je vous disais tout à l'heure que dans un espace très limité, il y a la librairie anarchiste La Plume Noire, le local des Verts, ce centre qui est un centre de documentation et de recherche sur les alternatives sociales, le local de la CNT, que c'est ce petit syndicat anarcho-syndicaliste, en face il y a la maison d'édition Atelier de création libertaire, la petite imprimerie associative. Alors messieurs, dames, alors attendez, je pense, parce que là déjà il ne faudrait pas qu'on les perde. Messieurs, dames, vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Lyon est à l'avant-garde du développement durable. Vous le savez, hein, ils s'engagent dans de nombreuses opérations. Eh bien, messieurs, dames, ils ont pris en compte le fait que la Croix-Rousse, comme tous les centres-villes du monde entier, se gentrifie. En d'autres mots, s'embourgeoise. Hein, les gens les plus aisés commencent à venir à l'endroit où il y avait les masses populaires. Et du coup, salut. Et du coup, on est en train de perdre la mixité sociale. Dans les années 70, il y avait énormément de militants, de toxicomanes, de si je savais, de baba cool. C'est en train de s'amenuiser. Alors, qu'est-ce qu'a fait la bonne ville de Lyon? Elle a décidé de réintroduire des baba cool qui viennent de Hongrie, hein, parce qu'on n'en avait plus des vrais en France. Même en Ardèche ou en Lozère, ils n'en ont pas trouvé. Donc ils sont allés chercher en Hongrie et ils les ont réintroduits sur la place Bellevue. On va s'approcher avec eux. On va s'y rendre. Hein. Tranquillement. On est prudent. On ne prend pas de photos, c'est interdit. On évite de parler avec eux. Messieurs, dames, la visite continue. Allons à la rencontre des peuplades baba cool hongroises. Même bon, ça dépend les milieux socio-culturels. Parce que bon, dès que vous êtes, bon, les milieux un peu bobo, disons comme la Croix-Rousse, pas quoi, le milieu bobo, c'est quand même plus accepté. Le 12 décembre, attends, la journée internationale des droits animaux. Ah ouais. Notamment, parce que nous on voulait faire une action croix-droit, mais c'est le Rébranche, la mâche, etc. En plus il y a l'oméga 3 dans la mâche. Et ça tu prends ça, tu en prends régulièrement tous les jours, et bien tu as des protéines pour toi. Quel est donc cette secte étrange? Ah, cette secte étrange. Eh bien, c'est vrai qu'on appelle secte hein, tous les gens qui diffèrent des convictions de quelque chose d'assez central. Je sais pas s'il y a des gens qui considèrent le végétarisme comme une secte. Je sais pas si. Enfin, en tout cas, cette conviction, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein.
mais ça concernait des individus en particulier, et donc on n'en parlait pas. Et là, c'est peut-être en train de devenir un mouvement social. ICDV.info. ICDV, c'est Initiative Citoyenne pour les Droits des Végétariens. Donc ICDV.info, d'y aller au moins pour signer la pétition, pour exiger que le gouvernement retire ces décrets qui interdisent le végétarisme en France. Et donc, dès aujourd'hui, pratiquement pour les 6 millions d'élèves qui mangent chaque jour à la cantine, le végétarisme est illégal. Car le monde sera ce que tu le feras. Enfants de 5 ans travaillant dans les mines. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la gagner. Et la retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. On ne sait jamais quelle vitrine on fera à l'avance. Là, on a commencé à être assez énervé au moment où. Où des membres du gouvernement ont commencé à tester le thème de la chasse aux assistés. C'est un thème sur lequel on est assez sensible, et cette idée qu'il faut taper sur les pauvres, les plus fragiles, pour faire un thème électoral, parce qu'avoir tapé sur les immigrés, ça ne suffit pas à se garantir un succès électoral. Donc on a vu ça prendre assez vite et on est parti là-dessus, quoi. Il est. Hi, Bobby. Hi, Cam. On essaie de faire en sorte que ça mette le doigt sur des dégradations sociales pour que la vitrine elle fasse écho, quoi. Parce que qui va la voir, c'est les gens du quartier, les touristes, les gens qui habitent à la Grand-Rousse qui passent devant. Et voilà, est-ce que ça va parler, est-ce que ça va faire réagir, est-ce que ça va interpeller? Ce qui est insupportable là-dedans, c'est. Le décalage par rapport à la réalité des choses, c'est surtout des gens qui ont des moyens et qui parlent de la pauvreté, de ce qu'il faudrait faire aux pauvres, de espèce de constat complètement obscène, quoi. Je pose toujours la question à des amis et d'autres pays. Est-ce qu'on connaît un autre quartier où il y a une concentration dans un périmètre, parce qu'il faut voir le périmètre, après, surtout des pentes et une partie du plateau du côté ouest. Est-ce qu'il y a un autre quartier au monde où il y a autant de concentration d'activités militantes? Je ne parle pas de l'autre partie culturelle, parce que c'est encore énorme, vraiment. Les petits théâtres, les cafés, un peu alternatifs de musique contemporaine, etc. C'est encore tout. Et ils me disent, oui, mais en fait, non, il n'y en a pas. Alors, comme générique, Julien. Samada. Nous accueillerons également l'abbé Pierre. Nous accueillerons notre chroniqueuse douceur, Virgin Keaton. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, nous laverons notre linge sale en public et en direct. Pour cette séquence pré-lavage, qui sont, Olivier, nos invités mystères? Eh bien, nous sommes très très fiers d'accueillir ce soir sur le plateau du Pressing nos premiers invités de la saison. Ils sont là, ils sont pas là. Sous vos applaudissements fournis, ils sont juste dans la salle, normalement, je les ai vus à l'instant, les grévistes de chez Samada. Bravo, bonsoir.
Venez, venez. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Merci de venir nous voir sur le plateau du Pressing. Bonjour à tous, d'abord. La Samada, c'est donc la filiale du groupe Monoprix. C'est la filiale logistique qui livre les magasins Monoprix sur la région Rhône-Alpes. Voilà. Comment est-ce que tout ça a démarré? Quelles étaient vos revendications au départ? Comment est-ce que cette affaire démarre? Alors non, la revendication qui est bien évidemment le salaire, hein, on va pas avoir de surprise, c'est l'intégration des primes dans le salaire. C'est-à-dire qu'on en a marre du salaire variable et qu'à un moment donné, une fois que les primes sont données pendant un certain temps, ben on veut l'intégration de cette prime. Et à savoir que ce qui nous a un petit peu mis dans cette lutte. C'est que ça avait été accordé à certains salariés et pas à d'autres. Donc on s'est dit, c'est le moment ou jamais. Ouais, alors l'entreprise avait décidé d'accorder ses primes à certains, mais pourquoi? En fait, parce que justement, ils ont lutté. Et donc, ils ont gagné. Forcément. D'où l'idée. Donc, on s'est dit, pourquoi pas nous, quoi. Donc, du coup, on l'a fait. Vous êtes mis en grève. On s'est mis en grève. D'accord. Et je crois que c'est une grève qui a duré assez longtemps, en fait. Combien de temps, Karine, par exemple? 43 jours. Alors, 43 jours. Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Un conflit aussi long, comment est-ce que ça se gère? 43 jours. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on s'organise? Alors, difficilement. Il y a des moments faciles, on va dire, et des moments beaucoup plus difficiles, en fait. Le principal, c'est qu'on est tous ensemble et puis qu'on arrive à se gérer plus ou moins chacun notre tour et on se relance un petit peu en se disant qu'il faut se donner du courage. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau du Pressing. C'est vraiment un très très bel exemple que vous nous avez donné. C'est un conflit qui, j'espère, va inspirer d'autres luttes et d'autres conflits. C'était aussi le but de cette invitation ce soir, c'était de faire en sorte qu'il y a beaucoup d'entraide et que la grève, c'est super dur, on en chie, mais ça peut marcher. Donc la conclusion de cette séquence, c'est si la rentrée vous fait chier, mettez-vous en grève. Ouais. Merci beaucoup à vous, merci d'être venu nous voir et bonne continuation. Et merci beaucoup. Merci. Non, c'est bien quand il y a des histoires qui se passent. Ah, oui, c'est bien foutu, là. Bravo, en tout cas, bel exemple. Ce matin, on était à peu près 2000 personnes, donc c'était assez impressionnant du coup pour nous qui avons l'habitude d'aller sur des actions et manifestations au niveau du secteur, parce que généralement ça ne draine pas beaucoup de monde. Et là, beaucoup de monde, beaucoup de militants de Sud, on a eu des camarades de la CNT qui sont venus de Bretagne également. Très rapidement, dès qu'il y a eu les premiers mouvements, on a eu une réponse par des gaz lacrymogènes et des coups de matraque assez importants. Et suite à ce moment-là, il y a trois personnes, donc trois nanas, qui du coup sont tombées de grilles qui étaient posées sur le sol, mais qui étaient mal fixées au niveau du sol, qui se sont ouvertes. Et il y a eu une chute de plus de 5 mètres de haut pour une des personnes. On a eu des nouvelles là toutes fraîches il y a une petite demi-heure. Donc sur les trois personnes, il y en a une qui est en danger vital. L'autre, sa colonne vertébrale serait touchée de façon importante.
Et la troisième personne, des dégâts, mais beaucoup moins importants. On a du mal un petit peu à comprendre quand même, parce que, alors sans vouloir discriminer des gens qui pourraient être très en colère dans le secteur de la santé et du social, on a plutôt tendance à rencontrer des militants plutôt sympathiques, pas trop énervés. On n'est pas dans du black bloc, ça, dans le secteur santé sociale. Hein. Donc on a un peu du mal à comprendre comment tout ça a pu dégénérer à tel point qu'aujourd'hui, enfin que ce soir, il y a une blessée extrêmement grave. Et c'est pas un rassemblement qui amenait un service d'ordre, de syndicalistes absolument. Mais non. Gros bras. C'est un rassemblement qui était plutôt basique, on va dire, à la base, hein, tout ce qui est plus tranquille. Oui, oui, c'est ça. Les gens étaient en tongs. Ça pose des clients, faut pas glisser à nos retraites, tu nous dis y'a pas d'argent, et tu fais des chèques cadeaux. Sous le bouclier fiscal, à tes copains milliardaires, tu nous dis y'a pas d'argent, et tu fais des chèques cadeaux. Sous le bouclier fiscal, à tes copains milliardaires, Sarkozy, client, faut pas toucher à nos retraites, Sarkozy, client, faut pas toucher à nos retraites, Sarkozy, client, faut pas toucher à nos retraites, Sarkozy, client. Rembobine, nous sommes en 2007 et en France naît le concept de la droite décomplexée. Vous rappelez? Vous vous rappelez? Très bien. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Et le petit candidat décide de faire un voyage à Lyon sur le thème de l'artisanat. Et il décide de venir visiter un artisan chocolatier pâtissier de luxe qui se situe ici même sur la place de la Croix-Rousse, un peu plus loin là-bas. Ne regardez pas tous en même temps. D'abord vous et vous après. Là-bas, un peu plus loin, on le voit pas vraiment, il est sur le coin là-bas. Il fait des macarons excellents, des macarons exportés jusqu'au Japon, un excellent pâtissier. Bien. Le petit Nicolas a décidé de les visiter. C'est lui. Oui, arrêtez. Tiens d'ailleurs, quand vous parlerez là, j'ai le micro. Oh, vous avez un truc. Oui, arrêtez Jean-François. Le petit candidat décide de venir visiter le chocolatier à 15h. Dès 14h, il y a un comité de bienvenue qui s'est organisé. Hein, des gens qui veulent se faire signer des autographes et tout ça, ils attendent impatients. Il y a aussi un petit cordon de sécurité avec une vingtaine d'oreillettes, tout ça, les gens en civil, la BAC et tout ça, tout le monde est prêt. Ce qui ne manque pas d'attirer l'attention du peuple croix-roussien qui s'arrête, curieux comme des badauds. Et là, spontanément, le peuple croix-roussien décide d'engager un comité de non-bienvenus. Et oui, pour un rapport démocratique, on est bienvenu, non bienvenu, hein, comme ça. Et on se met à discuter sur le bord du trottoir. Oui, nous, les Croix-Roussiens, on a une grandeur de cœur suffisante pour les accueillir, pour l'aimer lui aussi, mais il y a un problème, il est malade. Il y a un problème. Au moment de se présenter pour les plus hautes fonctions présidentielles, il y a un vrai problème. C'est pathologique, c'est une maladie d'écraser les autres pour exister. Alors, le peuple croix-roussien commence à entonner « Sarkozy va voir un psy, Sarkozy va voir un psy, Sarkozy va... » Et ça rigole exactement comme ça, les gens rigolent et tout ça. Le service de sécurité est complètement décontenancé, il ne sait pas quoi faire. Et là, on en rajoute une couche. « Un charter pour Sarko, un charter pour Sarko, un charter... » La foule est hilare, les gens rigolent, le comité de bienvenue explose. Et là, le candidat annule sa visite, prétextant un retard d'avion qui sera démenti par le journal Libération l'après-midi même. Libération qui titrera le lendemain « Pas de courage !»« Pas de chocolat !»« Pas de chocolat !» Ça méritait quand même d'être noté. Hein. C'est l'histoire récente, c'est le seul endroit où le petit n'a pas pu venir en France. C'est quand même pas mal. On est là pour quoi? On est là pour quoi? Alors le nain de jardin, on va le faire rentrer à la maison. Et vite fait. Et ça répond bidon sur les retraites, on va lui mettre un sillon. Celle-ci est jamais sortie, tu vois. Bon, ça c'est à Lyon, c'était les manifs. Moi, ce qui m'épate, c'est comme ce monde semble beau, et quand on gratte, c'est vraiment le bordel. Ça va pas, les gens sont un coup plein de haine, d'agressivité. Et alors j'aime bien faire du beau avec du moche. Tu trouves ça beau? Là, c'est les feux de l'amour. Donc il y a une explosion en Irak, ou je ne sais où, peut-être plus, ou en Afghanistan.
Il y a l'aspect couple glamour, mais derrière, ça brasse. Derrière, c'est la politique. Ça brasse quand même de la politique. Donc, comme disait Herriot, non ? Édouard Herriot, la politique, c'est un petit peu comme l'andouillette. C'est comme l'andouillette. Pour que ce soit bon, il faut toujours que ça sente un peu la merde. Il y a un truc comme ça. D'Édouard Herriot. Voilà, donc c'est un peu la merde. D'ailleurs, ça, c'est une grosse merde. C'est vraiment épouvantable comme peinture. Mais ça ne me gêne pas. J'ai un certain goût pour le mauvais goût. Puis après tout, l'important, c'est d'avoir du goût. Voilà. Et puis là, c'est que j'aime bien faire des fumées. Hein. Et puis ironiser sur un monde en rose, donc. Rose et puis un peu violet-mauve pour la profondeur de l'âme. Une espèce de tristesse, de mélancolie ambiante partout. Je dis, pour moi, le mauve, le violet, c'est l'utilisation d'une couleur qui m'évoque la profondeur d'âme. Donc je m'amuse bien, mais par derrière, il y a quand même quelque chose d'assez tragique. Comme avec ce blé, par exemple. Moi, je sais que j'ai eu un ulcère. La boulangère m'a dit, faut arrêter le pain. Alors, elle m'a énuméré un certain nombre de pains que je peux manger, mais de me dire que le blé, même le blé, comme les hommes, a muté, il est un petit peu plus dur, un petit peu plus irritant. Le blé contemporain. Voilà, sinon, c'était quoi ta question de départ ? L'esprit de lutte, etc. Pour moi, il est. Comment dire ? Il n'a jamais été virulent sur le plateau de la Croix-Rousse, quoi. Il y a eu des mouvements sociaux il y a longtemps. Mais déjà, c'était. Comment dire ? Même s'il y avait, tu vois, les immeubles, même s'il y a eu des milliers de métiers à tisser à un moment donné, dans les apparts, etc. Enfin, c'est des gens qui ont eu quand même, qui se sont battus pour avoir des droits, mais ça n'a pas été les coupes-gorges que c'était sur les pentes de la Croix-Rousse ou la guillotière. Était beaucoup plus dans la résistance, hein, la guillotière. Ça a été rasé au canon. C'était là où ils élevaient les vers à soie, etc. Et ça a été beaucoup plus virulent, quoi. Eux, ils l'ont payé cher, quoi. Sur le plateau, il y a toujours eu un côté quand même. Voilà, tu vois, c'était les grands immeubles, même si c'était la misère qui vivait dans les mezzanines qu'on appelait les soupentes. C'était horrible, quoi, le travail à domicile, etc. Mais quand même, c'était un peu plus riche, quoi. Et je crois que, voilà, c'est pas le quartier ultra populaire. Après, c'était un quartier qui avait plus des racines ouvrières et qui était assez peinard. C'était le village, quoi, avec son grand marché qui est toujours là. Donc ce côté un peu sage. Pour moi, il est là depuis longtemps. Thank you.
Ladies and gentlemen, welcome in Croix-Rousse. Hola a todos, bienvenido en Croix-Rousse. Vamos a visitar el barrio más simpático de Lyon. Gom, gom! C'est parti, on y va. Allez, on y va tranquille, voilà. On passe tout de suite la deuxième. On y va. La colline, c'est quelque chose qu'on gravit. On monte et on descend. Mais le fait de monter et descendre, on est toujours le corps qui s'élève, qui va vers la hauteur et qui permet de regarder autrement le monde. Ou quand on descend, on déboule, comme on dit. Et je crois que c'est un lien avec le regard qu'on peut apporter aux choses et le corps, ça nous permet de regarder le monde d'une autre manière. Gravir, descendre, ce sont des choses qui permettent à l'imaginaire, aux individus qui vivent, par exemple, sur cette colline, de voir les autres d'une autre manière. Et d'autant plus qu'on les voit d'une autre manière, de cette colline, que ce n'est pas une montagne, donc inaccessible, c'est quand même quelque chose d'humain. Et il se rajoute le poids historique de cette colline, la fabrique, le lieu où on travaille, le lieu où on a créé des multiples activités, le lieu où l'utopie elle transpire dans les pierres, etc. Et ça rajoute, ces deux choses font que... les Croix-Roussiens sont quand même des personnes, les Croix-Roussiens, les Croix-Roussiennes sont quand même des personnes particulières. D'autant plus que notre colline ici, il y a beaucoup d'escaliers. Et l'escalier, c'est encore quelque chose de particulier parce que c'est une petite étape. On monte doucement, on rencontre des gens qui descendent, on s'arrête un instant pour prendre son souffle, ou bien on fait les escaliers 3 par 3 ou 4 par 4. Et c'est tout un jeu du corps qui transforme le lien qu'on a avec la ville, avec ce qui nous entoure. C'est pas la même chose de se promener. Quand on va à rue de la République, là, c'est comme des automates, les personnes. On a l'impression qu'ils sont sur des tapis roulants. Tandis que là, non, chacun marche à son pas. On a un pas, c'est pas le pas des montagnards, mais le pas des Croatiens, le pas des gens de la colline, qui ce n'est pas un hasard qu'il y a beaucoup de personnes, intellectuels, poètes, romanciers, musiciens, qui habitent ici, parce qu'on respire une autre air là-dessus. Chemin. Bande de terre sur laquelle on marche à pied. La route se distingue du chemin, non seulement parce qu'on la parcourt en voiture, mais en ce qu'elle est une simple ligne reliant un point à un autre. La route n'a par elle-même aucun sens. Seuls en ont les deux points qu'elle relie. Le chemin est un hommage à l'espace. Chaque tronçon du chemin est en lui-même doté d'un sens et nous invite à la halte. La route est une triomphale dévalorisation de l'espace qui aujourd'hui n'est plus rien d'autre qu'une entrave au mouvement de l'homme. Dans le monde des routes, un beau paysage signifie un îlot de beauté relié par une longue ligne à d'autres îlots de beauté. Dans le monde des chemins, la beauté est continue et toujours changeante. À chaque pas, elle nous dit « arrête-toi ». Alors j'avais envie de vous dire, Bashkin et Landita, Arber, Arbenita, Arbenit, vous avez bien fait de vous arrêter. Vous avez bien fait de vous arrêter à Lyon et sur la Croix-Rousse. Comme ces chemins, vous êtes beaux. On est content de partager ce moment avec vous. Et on va continuer à cheminer ensemble. Le 15 octobre, avec donc le parrainage républicain en mairie du 1er arrondissement, qui a pour but de vous placer sous la protection des institutions républicaines de notre pays, de vous accueillir officiellement, de vous protéger. Et puis je voulais vous assurer de notre présence à vos côtés tout au long de votre chemin. Et encore une fois, bienvenue à vous et nous sommes à vos côtés.
la configuration du quartier, le fait que ça monte et que ça descende, et puis que c'est des petites rues, ça pousse à la sympathie, je ne sais pas comment te dire. Il y a aussi que les vieux sont pas... Les vieux étaient, parce qu'il y a de moins en moins de ces vieux-là, mais les vieux canuts craignaient pas l'étranger, parce qu'ils travaillaient avec, tu vois. Ils n'avaient pas peur des Chinois, ils n'avaient pas peur des Russes, enfin, je ne sais pas. J'ai senti chez les vieux qu'il n'y avait pas cette discrimination qu'on peut retrouver ailleurs. Où on n'aime pas trop les Arabes, avant on n'aimait pas trop les Italiens, les Espagnols, c'était sale. Et puis maintenant, les Roms, n'en parlons pas. Tu vois, on ne sent pas trop cet aspect-là du monde, hein, faut le dire, à la Croix-Rousse. Tu vois bien les vieux Arabes qui sont copains avec les mamies. Alors, tu vois, c'est un petit aspect assez sympathique. Moi, l'autre jour, je buvais un coup avec un vieux Chinois. Alors, le papy, peut-être 80 balais. Et puis donc, il revenait à la poule au pot, parce que lui, il devait être dessinateur textile. Donc, tu vois, il y avait toute cette histoire. Et puis donc, lui, comment il s'appelle ? Ben, le Chinois de la Croix-Rousse. Il m'a dit, si tu me cherches sur le boulevard, tu demandes le Chinois de la Croix-Rousse. J'aime bien comme s'il y en avait qu'un. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de mentir. Mourir n'est pas un drame, s'exiler, c'est mourir. Le mot intégration est un mot de raciste. Cette terre, c'est ton nom, ta joie et ton supplice. Et ne l'oublie jamais, ce vieux ange là-bas, il est porte-secret, il est en vrai combat. Moi qui suis né d'ici, qui m'en vais voir ailleurs, je porte son Algérie comme on offre une fleur. Si tu savais le nom que je connais, mais c'est un truc incroyable ça. Le mec, il croit que c'est l'immigré d'à côté qui va lui piquer son fric. Si tu savais, Bouygues, comment il a fait fortune, hein, sur ce qu'on appelle les clandestins, si tu les voyais tous qui sont en bas, là, les gangsters avec des grosses baraques sur la Côte d'Azur et qui fourquent de la drogue à nos gamins, si tu les voyais, ah oh là là, quand ils vont à l'église, les fameux parrains avec tous les députés dans leur poche et tous les mecs qui ont les trouilles de parler, de dire ce qu'ils sont dans la rue, parce que ceux-là, ils ont les trouilles. Il leur faut 50 cartes du corps pour dire ce qu'ils pensent. Tu comprends? Ah, ça fait chier quand un mec cause. Parce que parler, c'est déjà se défendre. Alors ça emmerde. Rendez-vous dans quelques années, messieurs-là, ils vont tout vous prendre. Vous avez oublié que vos grands-pères se sont battus pour une sécurité sociale, pour que vous ayez des congés payés. Vous êtes contre les 35 ans, mais vous prenez vos RTT. Toute avancée sociale, vous crachez dessus. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça existe. Mon grand-père et mon père, s'ils pouvaient revenir sur cette terre, quand ils verraient que les ouvriers votent aujourd'hui Le Pen, ils ne s'en remettraient pas, le pauvre vieux. Ils diraient, on est vraiment tombé sur la tête. Alors quand on est fils d'ouvrier, ben, on continue à se battre. C'est pour ça que j'écris des chansons. J'ai commencé en 73 et ça continue la bagarre, comme on dit. J'étais dernièrement à Paris, à peine j'ai posé ma sono, j'avais déjà les menottes. Ça s'appelle la liberté, tu comprends ? Liberté des... Là, ils osent pas trop parce que si jamais ils me font chier, ils vont comprendre. Et oui, parce que la Croix-Rousse, elle est attractive parce qu'elle est vivante, joyeuse et festive, sauf que les gens qui viennent attirés par l'ambiance festive, eh bien, quand ils viennent habiter à la Croix-Rousse, ils veulent dormir. Oh ben non. Ricolez pas. Du coup, on se dit, bon, il y a un problème, nous, aux visites d'idées, on va pouvoir être dans l'innovation sociale. Et alors, j'ai proposé à tout le groupe des visites comme vous là, de faire une immense clameur festive pendant 10-15 secondes. Très mauvaise idée. Non, mais arrêtez, c'est une bonne idée, c'était pour éduquer les gens au bruit festif. Pendant la journée, pour que le soir, ils soient plus habitués, vous voyez, c'est une bonne idée, non? Non, oui. C'était pas une bonne idée du tout. Oui. Parce que le monsieur est sorti par la fenêtre, il était torse nu, et là, il a dit clairement, Il a dit qu'il travaillait au 3-8, qu'il s'était couché à 6h du matin, et que bon, ma clameur festive, je pouvais la mettre où je m'avais fait. Très bien, stop. Du coup, les visites d'idées, toujours dans un esprit de créativité. Recycle ça, messieurs, dames, je vous propose de mettre la main gauche sur le cœur. La main gauche sur le cœur. On enlève les chapeaux, monsieur. Et je vous propose...
Et je vous propose une minute de silence pour peut-être le dernier ouvrier au 3-8 à la Croix-Rousse. Paix à son âme, à ceux qui marnent de 8h jusqu'à 19h pour engraisser des gros patrons. Minute de silence véritable. Merci. Allez, c'est parti. Mi-gauche. Le programme court, c'est tout de suite un programme court spécial Villa Chazière. Top jingle programme court. Programme court, Olivier, pour inaugurer cette nouvelle saison, puisque formule enrichie oblige, nous sommes en duplex avec Dahlia D, qui nous parle Dahlia depuis D, la Villa Chazière. En duplex à l'intérieur de la Villa Chazière, est-ce que vous m'entendez, Dahlia? Allô, allô, vous m'entendez? Allô, Dahlia, allô. Oui, Olivier, je vous entends parfaitement. Je me trouve en ce moment même à l'intérieur de la Villa Chazière, que nous allons donc visiter ensemble. Suivez-moi. Ouais, chouette, on fait une visite de la Villa Chazière. Nous nous trouvons là, dans le hall de la Villa Chazière, qui est absolument somptueux. Alors, il faudrait effectivement un petit coup de peinture, mais voilà, ces lustres sont sublimes. Bon. Vous verrez bien là en train un de petit peinture, hein. Oui, Dahlia, on vous suit. Donc, nous nous rendons là maintenant dans les cuisines. Dans les cuisines, c'est les cuisines dans la Villa Chazière. Super, elles sont super. Une pièce habitée, bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est un vrai séance duplex, une cheminée somptueuse. Une cheminée massive en bois, dites donc Dahlia, vous n'en regardez pas. Suivez-moi, hein. C'est pas moi. Oui, on vous suit. Alors, voilà, entièrement équipé. Une cuisine avec... Voilà. C'est incroyable. Un petit coup de nettoyage et on se fait un petit pot-au-feu ce soir. Ah bah quand vous voulez, Dahlia. Absolument. Il y a un piano qui demande qu'à être allumé, apparemment. Jusqu'à présent, rien de dangereux. Non. Mais c'est vrai que vous avez bravé de nombreux intérêts. Passons par là. Suivez-moi. Mais oui, on vous on suit. On vous suit, Dahlia. Ne tombez pas. Nous empruntons cet escalier somptueux. Somptueux. C'est vrai qu'il est superbe. Regardez ça, cette lumière est splendide. Ah bah c'est splendide, c'est sûr. Hein. Bon, c'est un peu défraîchi, mais j'ai vu des endroits à Berlin où l'air public n'était pas bien comme ça. Là, hein. Visitons donc ce fabuleux étage. Oh, qui est équipé de toilettes. On peut faire pipi à la Villa Chazière. Ah bah ça tombe bien, c'est pour cette édition. Merci Dahlia. Voilà, de quoi accueillir quelques livres. Bien sûr. Une petite pièce bleue. Une petite pièce bleue, oui. Et alors? Une petite pièce jaune, il m'en faut toujours une dans deux maisons. La fameuse pièce jaune. Ah oui, un lavabo. Chaque pièce a un lavabo. Et voilà, la vue sur le parc. Alors là. Et alors, c'est un duplex où il fait jour, c'est magique. Mais oui, c'est là. C'est et le voici Olivier, c'est Dahlia Daoud au parc de la Villa Chazière pour pressing. Merci Dahlia, merci, merci Dahlia. Beaucoup. Alors c'est vrai qu'on nous dit que la ville nous raconte depuis maintenant en belle lurette que cette villa est très 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 dangereuse, qu'elle est impraticable, qu'elle ne peut pas être ouverte au public alors qu'elle était destinée à accueillir des collectivités jusqu'il n'y a pas si longtemps. Et donc Dahlia a bravé les interdits et on se rend compte, grâce à ce témoignage extrêmement pertinent, qu'un coup de balai et la villa est absolument viable. C'est possible de récupérer ce soir la Villa Chazière. Merci Dahlia, merci Olivier, on passe à l'essorage. Pourquoi vous? Ben, ils ne le savent pas, aucune. Les jeunes de la commune de la Colline, monsieur, organisent une méditation transcendantale pour faire baisser les loyers croix-roussiens. Nous sommes d'accord. Mais, selon la théorie de la physique quantique qui dit qu'un battement d'aile de papillon d'un côté de la planète créerait un tremblement de terre de l'autre, juin 2007, ils organisent la méditation. Fin juin 2007, les hedge funds, les fonds pourris aux États-Unis, l'immobilier qui commence à se casser la gueule. Juillet, août, septembre, les bourses, l'affaire Madoff, c'est une crise mondiale, le capitalisme vacille. Messieurs, dames, c'est historique. Et oui. Nous sommes en mesure de dire que la plus grande crise économique mondiale a commencé ici à Corouille. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Calmez-vous. Des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que les vieillards tristes en larmes, les veuves et
jours finiront. Égal à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront, on traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chemins qu'on ne bouge. Valets de rois et d'empereurs, oui mais ça branle dans le manche. Les mauvais jours finiront. Des sociétés, dans les sociétés, elle ne s'est jamais passée en un seul jour, en un seul soir, avec l'arrivée de tel groupe, de tel mouvement. Il y a eu toujours des longues périodes de l'histoire qui ont façonné l'imaginaire d'un groupe de personnes, d'un mouvement, qui leur a permis ensuite de prendre la Bastille. Mais prendre la Bastille, c'était anecdotique. C'est tout ce mouvement qui a permis aux personnes de dire « nous pouvons vivre sans le roi ». On pourrait presque utiliser, mais moi je n'aime pas ces expressions, mais pour rendre l'idée, c'est que la Croix-Rousse, c'est une révolution permanente. Mais notre règne finira quand notre règne arrivera. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Merci. Restaurant. Ouais, on prend tout. On prend tout. Merci beaucoup. Ouais, vous voulez prendre. Eh bien, je voudrais vous donner 5. Voilà. D'accord. Merci beaucoup.